bien, je ne veux dire nous comprendre en réalité pour qui raison Negio pas voulu aucun gouvernement légitime, élu, établi, fait en lit pour créer crise en dedans pays, de façon à ce que pour capable aller dans la transition, parce que c'est seul dans l'espace ça, yo capable faire corruption, faire ça yo voulu, parce que pas gagner ça relé responsabilité ni devant aucun instant juridictionnel en dedans pays d'Haïti. Maintenant, la question de la compétence de l'ULCC, l'y fonder en matière de droit, en matière juridique. Est-ce qu'ils ont habilité exactement pour être capable d'auditionner vos dignitaires au niveau du conseil présidentiel là, ok, qui soi-disant a gagné des statuts de un président en rapport avec la constitution du pays? Mais il faut réfléchir quand même pour dire aussi, mais qui provision que M. Sayo, qui était arrivé avec un accord politique, ça, te mettait en place pour éviter à ce que dérive ça, pas arriver côté nous jeunes, côté lié là. C'est-à-dire ce sont des génies, ils ont pensé à un accord côté au café et des faits, qui m'a eu toutes les attributions de président. Et puis, sans que pas aucune instance dans le pays a, qui est capable, en quelque sorte, d'exercer le contrôle, assumer, à interpeller sous responsabilité, alors où est tout problème d'un côté nous, jeunes? Alors, on a demandé tête, nous, jeunes, je dis, hein, pour qui raison, peuple haïtien, en tant que tel, laisser des rues à faire fait dans figure comme ça? Et nous, des sociétés civiles, nous gagnons en quelque sorte les médias pour personne dans la société à pas demander qui responsabilité de ces hauts dignitaires de l'État. En cas de malversation, en cas de corruption. Non, ce n'est pas possible. Nous ne pouvons pas continuer si nous disons qu'on fait pays. C'est soit nous inscrits dans nos démarches de corruption permanente, de malversation permanente, les mêmes pratiques. Ou bien nous décider pour nous dire qu'on a fait pays, nous commençons à mettre des garde-fous, nous commençons à faire appel avec des hommes et des femmes okay, qui sont compétents en matière de lutte contre la corruption, renforcer l'institution et lutter contre la corruption, yo, et puis il y a moyen pour être capable en quelque sorte d'interpeller, auditionner, même les hauts gradés de l'État. Sinon, nous ne pas faire pays. Ou pensez que... Et m'a dit ça sincèrement, je dis là. Mm-hmm. Il n'y a que, m'a dit encore, il n'y a que une révolution, une rupture avec modèle de pratique, ça y est. Pour repenser en nouvelle Haïti, un nouvel mode de gouvernance. Sinon, guerrier, ou bien pour retourner encore dans 3 ans, 4 ans, dans une transition de même gens. Bon oui, non seulement on va tourner dans une transition même gens, mais avec même moun yo. Parce que comme on te dit hier, donc gade moun la, c'est veille, les bateaux après le couler pour yo retirer quoi yo, aller dans l'opposition et puis retourner encore. Ou du moins, c'est une élection fin organisée là et puis retourner là, dans la ouya, créer instabilité pour y aller dans la transition encore. Et transition, je vous dis là, c'est gagote. D'ailleurs, vous avez gagné de échappatoire pour camper derrière elle, pour dire, bon, là, son moment spécial, il y a bras les constitutions, il y a bras les toutes qualités et loi pour montrer que vous avez fait ça, vous voulez. Donc, moi-même, comme vous dites, il faut que ça finisse. Oui, mais au d'accord, son problème de carence morale. Son problème d'homme soulevé là. C'est-à-dire, c'est l'haïtien oui, qui est à refaire. Parce que, je me dis bien, ça dire tellement fondamental, c'est tout nègre à l'échelle de Chita qui a pris tant de transition. Alors, comprendre à qui velléité nègre était prêt pour basculer, craser et même assassiner un président de la République élu qui était quand même fait élection pour transmettre pouvoir avec un autre président. Mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas rien. Parce qu'il n'y a pas d'avantage.
intérêt ou à la donne. Alors qu'on peut couvrir les gens qu'on a au bon conseil qui gagne 9 têtes. Parce que chaque petit parti vient préparer. Et c'est vraiment grave pour m'entendre, yon sénateur, ex-sénateur Maurice Jean-Charles, qui dit que hier, dans le micro, que les sacrifiés idéologie, ligne idéologique petite de Saline pour le ministère de l'Agriculture. Mais c'est grave. Ou pas qu'à une ligne idéologique qui c'est sous et fond de ma conviction pour dire non micro à toute nos population qu'on sacrifie pour le ministère et pour récompenser par l'ambassade américaine. Mais c'est grave. Alors, où est qui modèle de dirigeant nous gagne dans le pays d'Haïti? Alors, problème, non, il n'est pas pour aujourd'hui, hein, il est pour une longue durée, et m'a continué de dire, et m'a demandé des populations haïtiennes, non, peuple haïtien, pour comprendre que il n'y a pas qu'à continuer dans la dynamique, ça, dans la même pratique, ça. Les conditions sont réunies pour une révolution. Il faut une rupture. Il faut un changement radical. Sinon, nous avons une deuxième guerrière, nous avons une deuxième guerrière de celle qui va venir dans 4 ans, qui va répéter la même question de transition, yo, et puis même bêtise va répéter. Pour nous prendre des mesures, c'est pour nous demander à mesdames, yo, avec garçon voyant dans le pays, hein, pour embrasser des marches révolutionnaires là, pour nous mettre en rupture à pratique ça, pour nous jeter bien loin classe politique ça, pour nous accoucher une nouvelle classe politique, des hommes et des femmes patriotes, qui pas vendre nos mieux bail blanc, qui pas quitter ces blancs qui dirigent, qui dictent, et puis pour nous récupérer la souveraineté nationale, et puis pour nous orienter le pays d'Haïti sur la voie du développement. Même envie de finir avec une question ça qui a un rapport avec force multinationale là, en tout cas qui commençait à arriver. Mais c'est un coup de nouer, c'est pas qu'on aime, pas sur qui est l'autre troupe qui a rentré. Et nous, ça qui passé hier dans l'hôpital général. Alors, on a regardé, on dit action autorité yo, par rapport à la situation insécurité ou dit tout qui ça nous a privé rétablir la paix dans pays an, élection rivé organisée dans fin année et 2025 là et nous gain on pouvoir élu en 2026 Jean prévoit ça non bon écoutez l'étape pour belle chose pour nous avouer que nous respectons agenda comme ça. Mais j'en ai eu à bataille pour pouvoir là. J'en ai eu à faire tentative de corruption là. Faut peuple là. Faut nous commencer à préparer mal nous que nous là pour 3 ans ou 4 ans. Parce qu'en réalité, et force multinationale, ça était supposé venir depuis bien longtemps. Mandal va arriver à terme. Et bien il était supposé rentrer dans le pays. Mais avec qui font? On va dire un bagage qui faut là. Si l'élection aux États-Unis a couché Trump comme président, nous mettons tirer espoir dans la question force multinationale. Ça va bien sortir de là. Parce que l'idéologie qui traverse Trump, c'est son réalisme en matière de relations internationales. Et ça va être très problématique, oui. Démarche nous, nous avons là avec multinationale ça qui présente dans le pays d'Haïti à force ça. L'inscrit dans la perspective globaliste, oui. C'est-à-dire qu'il inscrit tête li dans la création de crise et créer en quelque sorte des mécanismes de gestion de crise au niveau international. Côté que un groupe mafia dans le monde, c'est comme ça qu'il crée crise dans notre pays. Instabilité politique, crise humanitaire, et puis à mobiliser des ressources au niveau international pour être capable, en quelque sorte, faire beurre, faire comme bailler des contrats avec des compagnies de sécurité, sous couvert force multinationale, entrer dans le pays d'Haïti, et puis comme retourner vivre encore.
Son bagay mafia qui a pris la sous peuple haïtien. Si vous voulez résoudre le problème d'insécurité en dedans pays d'Haïti, nous avons commencé en quelque sorte par un gros rapport que le département d'État américain, côté épinglé, en quelque sorte, des hommes et des femmes en dedans pays d'Haïti, qui ont mis des armes, qui ont financé dans le pays d'Haïti. Alors, si vous avez de l'eau qui a coulé, guerrier, de l'eau est en quelque sorte sale. Est-ce que c'est beau qui te l'a doit tomber là dans la PDGT ou bien on va le robinet là, on va fermer le robinet là. C'est dans le robinet là pour ne pas aller. Mais vous connaissez si monsieur n'a pas acheté les âmes. Vous connaissez toutes les âmes qui sont sorti. Vous avez retracé. Mais pour que ça ne va pas intervenir en amont pour résoudre le problème ça, après ça, vous descend en aval. Pour venir avec sa URLE, une commission de vérité pour faciliter en quelque sorte, monsieur ça a déposé les armes, mais pour dire aussi qui est-ce qui débat aux armes, Jean-Sénateur Guy Philippe te proposé là. Le même bossé, c'est Guy Philippe qui est un stratège, un expert en matière de sécurité. Moi, c'est pour nous, et tout le monde te boudé, ça le dit en quelque sorte, elle te proposé lui. Mais n'a pas gardé jour et jour, c'est presque même bagaille là pour fouiller. Dialogue, mais c'est même dimanche là. Mais c'est grave.